Good morning, Aleiden. Nous sommes le jeudi 13 Nissan 5776. Et l'étude sera l'Elu Nishmat Rachel Batsara. L'Irfuat Rav Yosef Chaim Ben Emma Simcha. Et l'Irfuat Tzion Ben Menana. Betoch Sh'ar Cholei Israël. Nous étudions Baba Kama Perek Tet Mishnah Yud. Haomer Livno. Konam I Atane Hene Micheli. Im Met Irachenu. בחייו ובמותו, אם מת, לא יירשנו. והחזיר לבניו או לאחיו. ואם אין לו, לווה ובעלי חוב באים ונפרעים. Cette Mishnah n'a concrètement aucun rapport avec tout le Perek qu'on est en train d'étudier. On ne parle pas du tout des lois de Gneva et de Xela, des lois du vol. On parle plutôt des lois des Nedarim, de celui qui interdit ses biens à quelqu'un d'autre. Plus précisément un père envers son fils. Vous allez me dire alors quel rapport avec pourquoi cette Mishnah s'est introduite dans ce Perek ? Pour la simple raison qu'elle a, malgré tout, on remarque la même configuration que dans la Mishnah précédente. Un rapport d'argent original où j'ai dans mes mains un bien qui m'appartient mais que je ne peux pas en tirer profit pour des raisons religieuses. C'est ce qu'on disait hier. Il y a d'un point de vue juridique c'est à lui, mais d'un point de vue religieux c'est à sourd d'en profiter. Et donc là, il y a des halakhot spéciales, comment s'en débarrasser, de quelle manière, malgré tout, on peut, indirectement, tirer quand même un certain profit de ce bien. Concrètement, on va parler des lois des Nédarim. Les lois des Nédarim, on traduit ça par les vœux. Je pense que cette traduction, elle n'est pas exacte, parce que c'est vrai que quand on parle de « je fais le vœu de faire quelque chose », alors là, ça touche à un vœu. Mais la plupart des lois des Nédarim ne concernent pas, ne parlent pas d'un engagement qu'on va faire quelque chose, mais on parle plutôt d'interdire un objet à soi ou à quelqu'un d'autre. Par exemple, je fais le Néder de ne plus boire de vin, donc le vin devient interdit, Mishum Néder. Ou bien, je fais le Néder, j'interdis ça, Beissour Néder. Ouais, le mot vœu, je pense qu'il n'est pas tellement exact, il faudrait voir dans l'étymologie française, peut-être que ça rentre. En tout cas, concrètement, par définition, faire un néder, ça signifie interdire un objet à soi ou à quelqu'un d'autre. D'accord ? Pour un peu plus de précision, maintenant, on va expliquer, c'est-à-dire on va déjà introduire oralement, expliquer de quoi parle la Mishnah. Dans la Mishnah, on va parler d'un père qui interdit ses biens à son fils, il interdit à son fils de tirer profit de ses biens, et ce père va décéder, et donc le fils va se retrouver dans les mains un héritage que juridiquement il lui appartient, c'est à lui, il est le seul héritier, ça lui appartient. Concrètement, il n'a pas le droit d'en tirer profit à cause de l'interdit du père, et donc la Mishnah va nous donner des solutions pour indirectement exploiter ses biens, les donner à quelqu'un d'autre, les donner à ses enfants, les donner à ses frères, et on va voir, ça va être le même principe que dans la Mishnah précédente, dans la Mishnah d'hier, où on apprenait aussi un cas pareil, où le fils avait volé à son père et qui se retrouvait avec dans les mains un bien, qu'au final, le père décède, donc c'est lui qui hérite, donc le bien lui appartient, et malgré tout, il ne peut pas en profiter, parce qu'il a une mitzvah de partir le rendre à quelqu'un d'autre, de faire la mitzvah de Hashavat Gzela. C'est en ça que ces deux Mishnot se ressemblent beaucoup. Voilà, on a même aussi introduit de quoi parle la Mishnah, donc du père qui va interdire ses biens à son fils, et que le père va décéder, et le fils voudra ensuite exploiter d'une certaine manière, au moins indirectement, ses biens. Avant de, malgré tout, de lire la Mishnah dans les mots, on va tout de suite être confronté à un mot un peu délicat, le mot « konam ». Le mot « konam », ça signifie « je t'interdis comme un korban ». Donc en fait, pour expliquer ce mot, on va faire une introduction vraiment très générale à Nedarim. Nedarim, c'est une maseret qui se trouve dans le Seder Nashim, dans le tome des Mishnayot qui parle des lois des femmes. Il y a là-bas Kiddushin, Gitin, Kiddushin, Ktubot, Yevamot, et là-bas une des maseretot s'appelle Nedarim. Et là-bas, dans ce traité, on détaille dans tous les détails les lois des Nedarim. Concrètement, on va quand même introduire l'étymologie du mot Konam. Ça touche c'est un mot dérivé du mot korban. Un korban, c'est quelque chose qui est interdit parce que ça appartient au Hekdesh. J'ai la possibilité d'interdire aux autres de profiter, à une tierce personne de profiter de mes biens. Cette capacité est déduite, découle des lois des korbanot. De la même manière que ma parole a la capacité de rendre
mon bien Hekdesh. Je décide que ce bien-là, je vais le donner au Hekdesh. Je vais le donner au Bet Amigdash. Donc désormais, ce livre, il appartient au Bet Amigdash. Une personne qui va venir en tirer profit va transgresser l'interdit de Meïla. Il va maintenant transgresser, il va tirer un profit d'un bien qui appartient au Hekdesh. Alors de la même manière aussi, j'ai la capacité d'interdire un bien par ma parole en disant, autant qu'un korban est interdit, j'interdis ce bien à toi au même titre qu'un korban. Et dans ce cas-là, tu as un interdit de tirer un profit de mon bien. Donc ça découle des lois des korbanot, de ce fait. Une des manières d'interdire un bien à une tierce personne est de dire, je rends mon bien korban par rapport à toi. Je le rends comme un korban, comme un sacrifice. Et de ce mot vont découler des tas de mots déformés, retravaillés. Et l'un d'entre eux, c'est le mot konam. On le rencontre fréquemment dans le chasse. Konam, ça signifie, j'interdis à toi de profiter de ça, au même titre que si c'était un korban. D'accord ? Voilà pour l'étymologie du mot konam. Et puis maintenant, on le fait dans les mots directement. À Omer Livno, celui qui dit à son fils, donc un père qui dit à son fils, konam i ata nehene micheli. J'interdis par korban, ouais, par loi des nedarim, par loi de korbanot, i ata nehene micheli. Tu ne tireras pas un profit de mes biens. I ata nehene, atalo nehene. Tu ne tires pas un profit, micheli, mimashesha yachli, de mes biens. Im met, lorsque le père décédera, ira chez nous. Le fils pourra hériter de son père et tirer un profit. Parce que le simple interdit implique tant que je vis, tu ne profites pas. Donc dès que j'arrête de vivre, tu auras le droit de profiter. Par contre, si le père a précisé, Bechayav ou Vemoto, mes biens sont interdits, Beisur Konam, donc par les lois des Nedarim, j'interdis Bechayav ou Vemoto, de son vivant comme après sa mort. Voilà mon fils, si tu en tires un profit de mes biens, je te jure que je fais Benéder que tu ne profiteras pas de mes biens, d'accord? Donc maintenant, il met l'oïra chez nous. Lorsque le père décédera, l'oïra chez nous, le fils ne pourra pas l'hériter. C'est-à-dire, concrètement, juridiquement, comme ce qu'on a expliqué, il est propriétaire des biens, mais il n'a pas le droit d'en tirer un profit. Donc ça s'appelle que finalement, l'oïra chez nous, il n'est pas yoresh, il ne l'hérite pas. Concrètement, il ne peut pas exploiter le bien. Alors qu'est-ce qu'il en fera ? Ve'achazir levanav olechav. Et il le donnera à ses enfants ou à ses frères. Autant qu'hier, on expliquait deux manières de lire ce banav olechav. Alors on pourra de nouveau faire entrer ça ici et dire qu'on parle soit de ses propres enfants ou de ses frères, ou soit des enfants de son père et des frères de son père. D'accord ? C'est le même principe. On continue. Donc il pourra, par contre, il devra les donner à ses frères et à ses enfants. Ouais. Maintenant, cas particulier. Veim en lo. Et si il n'a pas de quoi manger, c'est un vrai pauvre type. C'est un pauvre, concrètement. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Lové. Il pourra faire le même jeu qu'hier. Lové, qu'on apprend dans la Mishnah d'hier. Lové, il emprunte de l'argent. Ou ba lechov baim venifraim. Il emprunte de l'argent. Il utilise cet argent pour ensuite manger. Et lorsque ses créanciers viennent, il leur dit, moi, j'ai pas de quoi vous rembourser, mais si vous voulez, il y a ces biens qui sont là, il les a reçus de son père, lui, il n'a pas le droit d'en tirer profit, faites ce que vous voulez. Et donc, eux, ils viennent et ils se servent de ces biens. Voilà l'idée, voilà la Mishnah, on l'a fini, Baruch HaShem. Et on fait très rapidement le Bartanora. Vim en lo mayochal. Donc, s'il n'a pas de quoi manger, à la différence d'hier, hier, on disait vim en lo, qu'en fait, il n'a pas assez d'argent, il a envie de... Bon, on ne va pas rentrer dans trop de détails. Ceux qui veulent faire préciser davantage, vous verrez que hier, on apprenait le Imen Lo, on parlait de quelqu'un qui n'avait pas assez de bien, donc il voulait malgré tout, indirectement, tirer un profit du bien. Là, on parle qu'il n'a pas du tout de quoi manger. Autrement, on ne lui permet aucune autre solution. Parce que là, on est confronté à un interdit des Nedarim, qui est un interdit très grave dans la Torah. Jurer ou interdire par des vœux quelque chose, c'est un interdit très grave. Il a marqué des graves choses dans la Gemara. De ce fait, on était beaucoup plus strict pour lui permettre de tirer un profit indirect. Il faut nécessairement qu'il ait vraiment rien de quoi manger. S'il a quelque chose de quoi manger, on ne lui permettra pas de faire ce jeu. À la différence d'hier, on était quand même plus cool envers cette personne. D'accord ? Donc, Veimen lo mayochal, alors on lui permet la solution. Lovem veochel. Il emprunte et il utilise l'argent pour aller manger. Et ensuite, Uba lechov baim venifraim menayerusha et chelko. Et
les créanciers viennent et se font rembourser de l'héritage, de la, sa part d'héritage. Velo chashiva anaa mashiporea chovo beotam maot. Deatnan benedarim amudarana mechavero porea lo chovo. Il y a un petit problème délicat. On traduit d'abord dans les mots le barthénora, après on l'explique à l'oral. Et on ne considère pas cette fois-ci que, qu'il tire profit lorsqu'il mashiporea chovo beotam maot. Le fait qu'il rembourse sa dette avec cet argent. Pourquoi ? Deatnan benedarim, parce qu'on a enseigné dans la Mishnah de Nedarim, amudarana mechavero porea lo chovo. Celui qui. S'il y a quelqu'un qui est mudarana mechavero, par exemple, moi j'interdis à une tierce personne de profiter de mes biens. J'ai malgré tout le droit de partir lui rembourser une dette. On s'explique. On est censé avoir fini normalement la Mishnah d'abord, mais on va prendre une petite minute pour expliquer ce petit détail. Ça se passe comme ça. Il y a un problème technique. Lorsque je dois 1000 shekels à Reuven, donc je suis meshoubad, je suis engagé à rembourser 1000 shekels. Si, question technique, si quelqu'un vient et paye cette dette, est-ce qu'on considère qu'il m'a finalement offert 1000 shekels ou non ? De prime abord, on aurait tendance à dire oui. Il est venu grâce à lui, il est venu, il a payé 1000 shekels, grâce à lui maintenant, les 1000 shekels qui sont dans ma poche, ben ils vont rester, c'est comme si quelque part que je les ai reçus. Partant de ce principe, si j'ai une dette envers les créanciers, et que les créanciers viennent et prennent des biens que je n'ai pas le droit de tirer, je n'ai pas le droit de tirer profit, ben finalement ça s'appelle que je tire un profit indirect ou presque même direct de ces biens-là. D'accord ? Le problème il est clair. Grâce au fait que les créanciers sont venus et se sont servis des biens qui m'étaient interdits, il s'avère que maintenant, je n'ai plus cette dette à rembourser. Quelque part, j'ai tiré le profit, la somme équivalente. Donc en théorie, celui qui tire un profit de cette manière, il profite finalement. Donc alors, il ne devrait pas le faire. La réponse en fait, elle est, et malgré tout, la Mishnah nous enseigne que on a le droit de le faire en cas de force majeure, s'il n'a pas de quoi manger, le pauvre, il a le droit de le faire. Comment c'est possible qu'on va le permettre là ? Et alors là, la solution, elle est un peu délicate, mais il faut quand même l'expliquer de cette manière. Lorsqu'on parle que je n'ai pas le droit de tirer un profit, on parle que je n'ai pas le droit de tirer un profit monnayable. Concrètement, lorsque je dois de l'argent à quelqu'un, il est possible que je vais partir lui parler et je vais réussir à le sensibiliser pour qu'il va me dispenser de le rembourser. J'ai cette capacité de partir lui parler, de me faire dispenser de la dette. D'accord ? De me faire acquitter de la dette, qu'il me l'efface complètement. Partant de ce principe, quelqu'un qui vient et qui paye la dette, il ne m'a pas forcément offert les fameux 1000 shekels. Il m'a juste économisé un peu de salive et de gêne. J'aurais pas besoin de partir parler et j'aurais pas besoin de partir avoir honte pour lui expliquer combien j'ai des problèmes d'argent. Et il m'a effacé directement la dette. Mais finalement, le fait d'avoir effacé la dette, on ne considère pas qu'il m'a fait gagner cet argent. Il m'a juste fait économiser une gêne. C'est sûr, donc j'ai tiré un profit, mais puisque c'est plus dans ce cas-là un profit monnayable, c'est pas, il ne m'a pas forcément fait gagner 1000 shekels, il m'a juste fait plaisir. Autant que s'il est beau, j'aime le regarder, ça ne s'appelle pas que je tire un profit de lui. Parce que tirer un profit, on parle de tirer un profit qui est capable de se chiffrer en argent. Et là, concrètement, donc c'est vrai qu'il est venu m'alléger un gros poids que j'avais sur moi. Je devais lui rembourser cette dette et grâce à lui, je ne dois plus lui rembourser cette dette. Mais malgré tout, rembourser la dette n'est pas forcément un cadeau de 1000 shekels. Ce n'est pas quelque chose de monnayable qu'on pourrait traduire en argent. Parce qu'on a toujours la possibilité de partir lui parler, de lui expliquer combien j'ai de problèmes. Et finalement, il va me faire une remise, mais effacer complètement la dette. D'accord ? Donc, puisque rembourser une dette n'est pas un profit direct monnayable, alors par contre, ce principe, on revient maintenant sur la Mishnah. Lorsque les créanciers vont venir et vont prendre, saisir les biens que je n'avais pas le droit d'en tirer un profit, on ne considère pas que je tire un profit direct de ces biens. Et c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Kol Tov Selah.